Yo tout le monde les gars, du coup c'est Marmotte et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran les gars, du coup vous voyez que j'ai récupéré mon compte, alors je suis extrêmement content. Enfin une vidéo parmi les 3 vidéos que j'ai sorties du coup qui annonce une bonne nouvelle, tu vois. Du coup c'est vraiment cool, alors c'était vraiment une galère, j'avais dit que je pouvais pas récupérer mon compte dans ma toute dernière vidéo. Mais finalement en fait j'ai réussi tout simplement les gars, c'était une vraie galère. Alors pour ce faire les gars j'ai dû simplement appeler le banquier pour la carte et tout ça, la carte que j'ai utilisée sur Fortnite pour mon premier achat. Bon, c'était vraiment une galère les gars, c'était une galère. Finalement j'ai réussi et en fait le pire truc tu vois c'est que du coup je vous avais dit il m'avait posé des questions tu vois pour récupérer mon compte, mais là tu vois j'avais recontacté Epic Games vu que bah j'avais toutes les questions, toutes les réponses aux questions qu'il m'avait posées du coup. Et bah le problème c'est qu'il m'a pas du tout posé les mêmes questions. Il m'a tout simplement dit bah vous êtes obligé de récupérer votre compte Google, sinon on peut pas. En tant que support Epic Games, nous n'avons pas la possibilité de vous redonner votre compte comme ça. Du coup j'étais en mode attends quoi, mais pourquoi vous me dites pas la même chose que la dernière fois tu vois, alors que j'ai dit exactement la même chose. Du coup j'ai pas trop compris et du coup bah j'étais vraiment pas bien. Du coup j'ai regardé Harry Potter 2 fois. Oui à chaque fois que oui je regarde beaucoup Harry Potter si jamais vous suivez un peu la chaîne, enfin du coup mon ancienne chaîne du coup. Ah oui du coup autre petite nouvelle du coup c'est tout simplement que ma chaîne YouTube tu vois du coup Cardano Live là maintenant elle s'appelle comme ça, le hacker il a tout simplement fait une vidéo dessus, enfin plutôt un live, et que YouTube ils l'ont instantanément supprimé. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont supprimé, mais en tout cas je sais pas si jamais c'est parce qu'ils savent que bah, c'était une chaîne hackée, ou si jamais tout simplement ils ont vu qu'il y avait 22 000 bots sur le live tout simplement car il y avait 22 000 bots. Bref, et du coup bah voilà ma chaîne YouTube là on est sûr qu'elle s'est fait hacker. Mais au moins j'ai récupéré mon compte Fortnite, donc du coup c'est un début. J'espère bientôt récupérer ma chaîne YouTube tu vois. Autre petite nouvelle les gars aussi, c'est tout simplement que je vais partir. Du coup pendant une semaine il n'y aura pas de vidéo, mais et si ça se trouve dans une semaine les gars je vais récupérer mon compte Fortnite, du coup ce sera pas mal tu vois. Mais en attendant bah c'est pas trop le cas, du coup il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine, mais je pense que c'est pas si grave, je pense que ça me changera les idées un petit peu. Et bah voilà. Ah oui donc du coup les gars une dernière petite nouvelle, c'est tout simplement bah du coup j'ai récupéré mon compte Fortnite et cela veut dire que j'ai récupéré on va dire mon code créateur. Du coup je vous invite tout de suite, mais vraiment vous le faites hein, vous êtes obligé de mettre le code créateur E4-du-bas marmotte les gars, vous êtes obligé les gars. Bien évidemment les gars je rigole hein, vous mettez le code créateur que vous voulez, mais si jamais avant vous avez mis mon code créateur ça pourrait être sympa de mettre ou quelque chose comme ça tu vois, ça peut être pas mal. Et puis voilà les gars c'est tout ce que j'avais à dire, allez bye.